Hello les fleurs! Shit, j'allais dire coucou les fleurs. Je lui ferai pas 1, 2, 3. Hello les fleurs! On espère que vous allez bien. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour 2 nouvelles vidéos. Une sur chaque chaîne, comme d'habitude. Donc sur la chaîne d'Emily, vous retrouverez 25 faits sur elle où je dénonce un petit peu sa personne. Ah, il y a du dossier, il y a du dossier, mais je vais me venger parce que maintenant c'est mon tour. Vous allez découvrir 25 faits sur fleurs que vous ne connaissez pas. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle va réussir à nous sortir. C'est parti. Ce n'est pas classé, hein, comme pour toi. Très bien. Parce que ça démarre. Petite, tu collectionnais les pâtes d'amande de gâteau. Oh non. Oui. Et tu les gardais plusieurs mois, même plusieurs années, je crois. Oui. J'avais. Tu savais les plaques là avec joyeux anniversaire, machin. Ouais, les petits bonhommes. Il y a plus trop ça maintenant. Enfin, il y a encore les plaques joyeux anniversaire, mais je trouve qu'on fait moins de déco de petits bonhommes. C'est dommage, tu les garderais. Mais oui, j'ai toujours eu la collectionnite et ça, je l'ai gardé. Mais ça séchait, donc c'était pas assez non, comme de la pâte à modeler. C'est bizarre. Mais non. Mais si. Ah en plus, c'est du sucre, ça attirait pas les fourmis. Mais non, c'était sec. Non, je trouve que ça, c'est très bizarre. C'est vrai? Ah ouais. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir fait ça. Mais ma mère, ça la choquait pas, je pense. C'est ça qu'elle faisait ça aussi. Non. Bon, très bien, c'est vrai en tout cas. Je ne peux rien dire. Ensuite, tu m'as avoué. Oui. Ouh là là. Que plus jeune et même parfois maintenant, tu parles à tes objets et que si tu les personnifies, tu ne peux plus t'en détacher parce que tu as l'impression de les abandonner. En fait, c'est pas 25 faits sur moi, c'est à quel point cette fille est chelou. Ouais, c'est vrai. C'est trop bizarre. Enfin, petite, quand j'allais par exemple dans un magasin de jouets, je regardais les poupées et en fait, c'est comme si. C'est comme s'il y en avait qui m'appelaient. Donc je choisissais la poupée pour pas. Ou alors celle qui avait un petit défaut ou quoi. Ouais, comme parce tu que choisis. Ouais. Je savais qu'elle allait pas être prise, alors du coup ça me faisait mal au cœur. Enfin, non mais. Ouais, je sais. D'accord. Ouais, et bah là c'est pareil, je donne des noms à mes plantes, à ma voiture. Bois ton thé. Bon, un peu plus light. Merci, parce que c'est Fleur n'aime pas le mot rondelle. C'est horrible ce mot. Je crois que c'est le mot le plus laid. De tous les mots. Parce que moi je dis un perrier rondelle par exemple. Ah non. À chaque fois, non, un perrier tranche. Ouais, ou un perrier citron, mais ouais. Un perrier rondelle. Ouais, mais citron parfois ils te mettent pas la rondelle. C'est ça. Rondelle. Dites-nous dans les commentaires le mot qui. Le pire mot pour vous. Croûte aussi, c'est pas mal. Ah ouais, croûte est pas mal. Un peu plus sérieux. D'accord. Tu n'aimes pas les conflits. Alors ça, ouais. Tu fais toujours en sorte soit de les éviter ou tu t'arranges, mais quand même de plus en plus tu arrives à dire non et oui, à poser c'est vrai. Limites et tout. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai eu un rendez-vous pour les fleurs de bac hier, je vous parlerai des fleurs de bac bientôt. Et en fait il y a une fleur, pour ça il y a deux fleurs, et il y a la personne qui dit oui à tout, parce que définitivement j'étais avant, et il y a la personne qui va plutôt essayer de dire non mais sur le ton de l'humour etc. Ouais. Et je glisse un peu vers cette deuxième option, mais pendant très longtemps oui, j'ai dit oui à tout. Alors celle-là j'ai un doute, mais il me semble qu'à la base t'as un peu peur des chats. Ouais, parce que quand j'avais pas rassurée déjà. Au début je me souviens t'étais un peu en mode ouais. Ouais c'est vrai, au départ j'étais pas du tout chat et parce qu'en fait je pense que petite j'ai une amie qui avait un chat et je me suis réveillée avec le chat sur moi mais vraiment là et du coup je me, enfin ça m'avait fait un peu bizarre, t'es sentie oppressée. Ouais et je sais pas, je trouve que les chats c'est un peu vicieux, enfin pas vicieux mais je me souviens c'est ça que tu m'avais dit en mode tu sais pas trop ce qu'ils ouais, ont dans la tête, ouais tu sais pas trop ce qu'ils pensent à tout moment et mettre un coup de tête et tout, mais ça va mieux maintenant, j'aime bien les chats. Bon alors un peu lié et c'est pas classé donc c'est pas voulu, comme les chats oui. Tu t'étires partout. Des tout le temps une jambe en l'air, tu sais pas pourquoi, on attend le métro, allez hop. Et il y a des. Je me demande vraiment si je fais pas ça en classe aussi. Les élèves, dites-le moi. Non mais c'est vrai, je suis tout le temps en train de m'étirer ou en train de. Ouais, ouais. J'ai pas d'explication là. Nous n'avons pas d'explication. Ensuite, ça vous l'avez peut-être vu, mais je sais plus si tu l'as déjà fait en vidéo. Tu éternues comme un petit animal mignon. Ouais, j'éternue bizarrement. Oh ma mimi, tout va bien. Elle fait peur à Marty. Oui, viens voir Tati. Viens mon cœur. Viens. C'était trop aigu pour ses petites oreilles. Il dormait en plus. Coucou. Oui, c'est oui. Oui. Voilà. Bah, je sais pas pourquoi non plus. En fait, avant, j'éternuais en me bouchant le nez. Ça va être très intéressant comme histoire.
Mais en fait on m'a expliqué que c'était pas bon pour les tympans, donc ouais. Du coup j'ai terminé un peu comme je peux et ça sort comme ça. Ensuite, oui. Tu n'aimes pas les chaises et les fauteuils. Je m'explique, elle s'assoit tout le temps par terre. J'ai un million de poufs et de fauteuils et de tout ce que tu veux. S'assoit par terre. C'est faux, je m'assois pas par terre, je m'assois sur le rebord de la fenêtre. Oui, non mais après partout, enfin genre oui, avec, enfin voilà. Hein. Mais c'est très vrai. C'était très clair, mon explication. Non, c'est pas que j'aime pas les, enfin si, c'est pas que j'aime pas les fauteuils, c'est que j'aime vraiment beaucoup être par terre. Ouais, c'est bien. Et j'aime beaucoup être pieds nus aussi. Il me faut la connexion. Ouais. Avec la terre, tu vois, le chakra sacré, tout ça. Mais petite, en fait, on a avec ma maman, on a une table basse. De salon et en fait on mange sur la table basse, on mange pas à table comme on est que toutes les deux, en plus ouais. On se prend pas la tête. Je pense que c'est pour ça que je suis tout le temps par terre maintenant. Tout s'explique. Un peu bizarre quand même. Non, pas bizarre. Tu adores, plaisir coupable entre guillemets, oui. Les magazines de mariage. Ouais, trop. Mais j'adore tout ce qui est mariage. Franchement, organiser, la papeterie, les robes, ouais. J'achète parfois des magazines de oui, mariage. Oui, mais depuis très longtemps, hein, depuis le lycée, pas régulièrement, mais j'aime bien feuilleter. Voilà. Dites-moi si je suis la seule à faire ça. Tu utilises des expressions bizarres. Non. Oh si. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois oui. Où on est ensemble où tu vas pas me sortir un truc que je ne connais pas. Je pense vraiment, hein. Il n'y a pas une seule fois. J'ai pas d'exemple là, par bah, contre. Il n'y a rien qui me vient. Sarsouillé, ouais. Potao. Ouais, mais ça, il y a des gens qui le disent. Mais il y a des gens qui le disent. Non, mais potao, je l'avais déjà entendu. Mais il y a tout le temps des trucs. Et puis elle me sort ça normal. Et je suis là. Hein? Oui. En fait, tu parles un peu comme un autre dialecte, parfois. Tu vois, genre je... C'est vrai, mais. Je sais pas d'où ça vient. Non, parce que parfois elle dit que c'est moi qui connais pas les trucs. Non, mais parfois elle dit des mots bizarres aussi. Hein. Si, 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 si. Moins si. Que toi. De temps en temps. Beaucoup moins que toi. C'est vrai. Moi, c'est plus les expressions, je crois. Ouais, que les mots. J'ai dit des expressions bizarres. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, dossier. Oh non. Tu comptes les Mississippi dans l'ascenseur. Ouais. Un Mississippi. Deux Mississippi. C'est comme Ross dans Friends quand il va faire le bronzage. Voilà. Ouais, bah c'est parce que j'ai peur en ascenseur. Déjà, chez Emily, il y a deux ascenseurs. Je n'arrive à en prendre qu'un, que celui de droite, parce qu'il est un peu plus éclairé. Non, mais... Et dedans, il faut que j'écoute de la musique et que je compte le Mississippi. Bon, alors c'est celle-là aussi, j'avais un doute, mais je te vois. D'accord. Pour moi, oui. Je crois hein, que tu as été plus ou moins émo. Non, pas trop. Mais t'avais pas une énorme mèche brune là? C'est pas toi? Non, c'était pas moi. Parce que quand j'ai dit ça à Kevin, il m'a dit ah non, mais je veux une photo. Non, mais j'étais plus pas. Sûre. Non, j'ai eu une période. Très bon, je vous mettrai pas de photo. Oui. Ouais, plus bon, c'est ça que je voulais rock, dire. Métal, ouais. Avec les t-shirts de groupe, le gros col noir dans ouais, les ouais, yeux, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Plein de boutons sur mon visage, c'est pas... j'étais charmante, mais non pas émo, mais oui, j'ai une un période peu dark, un peu dark, ouais. Mais j'aime toujours la musique que j'écoutais à ce moment-là, mais pas le reste. Genre un groupe? Bah j'écoutais beaucoup Acme, j'écoutais Sum 41, on dirait pas comme ça. Offspring. Dossier? Oui. Ah non. Vous avez remarqué que je vois monter à chaque fois qu'elle dit dossier. Je me cache. Tu fais des tas. Oh, elle est bordélique et elle fait des tas. Alors là, mon chéri va tellement rire en voyant ça parce que c'est très vrai. Alors, je suis maniaque de la propreté, il faut que mais ce soit. Ouais. Mais alors, je suis bordélique et je fais des tas. Donc, il y a le tas du blog, il y a le tas de linge, il y a le tas de machin. Et ça reste en tas en fait. Mais par contre, quand on ouvre les placards, c'est rangé. Mais les tas sont dehors. Et les tas sont dehors. Tu fais des tas. Ouais. Parfois, elle me coach pour ranger. C'est vrai. En visio, elle me montre. Tu dis, ça, tu le mets là. Ça, tu le... Bon, un petit truc que j'ai appris assez récemment, mais qui, moi, m'étonnait. Oui. Tu gardes toutes tes boîtes de palettes make-up. Ouais. Mais les boîtes, genre les emballages. Mmh. Ouais. Mais globalement, je garde tout. Hein. Pas de la bande, donc, voilà. Ouais. Oui, je sais pas. J'aime bien. Mais ça doit prendre beaucoup de place. Bah non, parce que les palettes sont dedans. Oui, mais les palettes sont toujours plus petites que les boîtes.
Bon, c'est pas des grosses boîtes. Les plus grosses boîtes, c'est les coffrets Too Faced. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment l'étui, en fait. Non, ouais. On n'en cherche pas à normaliser. Normalement, ça en garde pas. C'est vrai. Bah, je pense, hein. Enfin, moi, je garde bah, pas. Bah, j'avoue que si on me disait je garde les étuis des rouges à lèvres, ça me ferait bizarre, par exemple. Ah, mais c'est ouais. La même chose. Bah, ouais. Peut-être que je vais jeter mes boîtes. En rapport à un fait que tu as dit sur moi dans l'autre vidéo, oui. Elle connaît Friends par cœur en anglais et en français. Genre, c'est infusé dans sa mémoire. Tellement. Mais en même temps, j'ai déjà regardé combien de fois, tu crois? Je sais pas, mais plus de 10 fois les 10 saisons, c'est sûr. Ah ouais, moi j'en suis pas là, je pense. Pour ça que je connais pas autant. Par cœur, par cœur, par cœur. Ma mère n'en peut plus d'ailleurs. Tu m'étonnes. Un fait que vous ne savez peut-être pas. Oui. Fleur a fait de la batterie. Ouais. Et moi aussi. Et genre, c'est un point commun qu'on a. C'est vrai. Drôle, alors qu'on s'y attend pas, toi, c'est étonnant. Hein. C'est vrai. Pas longtemps, ça a duré combien de temps, toi? Quelques mois. Ouais, moi, 1-2 ans, je crois. Mais j'étais pas très forte. Tu as passé une audition pour une émission télé de chant. Oui. C'est vrai. Un jeu, hein. C'était pour N'oubliez pas les paroles. Mmh. Ouais. Et t'avais chanté quoi? Et j'avais chanté. Très bien. Je crois que j'avais chanté une chanson de Jennifer. C'était une expérience très particulière d'ailleurs, ça peut-être qu'un jour on pourra raconter, mais ouais, c'est particulier. Mmh. Ouais. Mais ça m'avait pas trop plu. Enfin, Au final, tu l'avais pas fait? Non. Voilà. Ils ont pas voulu de moi. Ce fait m'a divisé. Elle n'a jamais vu Star Wars. Ouais, mais il y a plein de trucs que j'ai pas vu. Non mais Star Wars. Mais il y a plein de trucs, plein de classiques que j'ai pas vu. Non mais Star Wars. Mais Men in Black. Non mais ça on s'en fout, Men in Black. Qu'est-ce que j'ai pas vu Star Wars. C'est comme si tu me dis que t'as jamais le vu Le Parrain, j'ai jamais vu Le Parrain. Oui mais c'est pas pareil parce que Star Wars il y en a eu plein, t'as eu plein de chance tu vois. Plein de chance. Non mais voilà, si je te dis que j'ai jamais vu Harry Potter, ça te choque. Oui. Et ben pareil pour Star Wars. Mais en fait, le problème de Star Wars, c'est que contrairement à Harry Potter, Harry Potter, j'ai grandi avec. Ce qui fait que le premier film est sorti, j'étais en âge d'aller le voir. Star Wars, les premiers films, c'est vieux. Et du coup, quand les nouveaux sont sortis, je me suis dit, mais je vais pas aller voir ça alors que j'ai pas vu les autres. Ok. Et donc, j'ai jamais vu. Mais c'est faux, en fait. J'ai vu un tout petit peu d'un... en anglais, il y a hyper longtemps et j'ai rien compris, mais alors rien, il y avait des trucs qui volaient partout, je savais pas de quoi il s'agissait, donc non, ça compte pas. Mais j'ai vu Jurassic Park, j'adore Jurassic Park. Moi aussi j'adore Jurassic Park. C'est, les dinosaures, ma passion. J'aurais jamais cru. J'adore les dinosaures. On approche de la fin. Tu as toujours et tu détestes ça. Avoir un trou dans la frange. Ah ouais, mais ça c'est... Voilà, d'ailleurs rien mais d'en tout parler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant de faire une photo, avant de filmer, attends, est-ce que j'ai un trou dans la frange? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, à la base, j'avais vraiment une frange, donc droite. Ouais. Et j'ai un peu abandonné parce que ça repousse très vite. Ouais. Et du coup, j'ai une mèche et j'ai tout le temps un trou. Parce que j'ai un épi. Ouais. C'est la vie. Mais c'est pas beau quand on fait une photo avec un trou. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, on parle en trous. D'accord. Super transition. Tu as peur des trous. Ouais. Oh là là là. C'est quoi le mot déjà? Tripophobe. Elle est tripophobe. Ouais. Elle a peur des trous. Je suis super bizarre en fait. Mais genre, ça va. Parce que ça fait un peu, tu vois. Non, ça, non, ça va. Par exemple, elle a une plante. T'insérera une image peut-être. Ouais. Oui, ah bah non, parce que ça va me dégoûter, donc je suis désolée. Mais... Bah tapez tripophobie sur Google et vous allez trouver. Mais en gros, ce qui me gêne, c'est un peu les surfaces planes avec des trous. Parce que là, par exemple, il y a une matière, donc ça me gêne pas. Mais c'est très bizarre. Hein. Les pores de la peau, non? Bah les pores comme ça, non. Mais les images, un peu les trucs d'horreur avec des trous. Ah mais ça, mais jamais. Horrible. Les plantes avec des trous, ouais, mais c'est bizarre. Mais enfin, on s'était renseigné du coup dessus, c'est une peur primaire. Oui, c'est parce ça. Parce que normalement, les choses qui ont cet aspect-là sont c'est dangereux. Un peu, voilà. Mmh. Donc c'est une peur primaire. Et il y a plein de gens, on dirait pas comme ça. Hein. Qui ont mais dites-nous si. Tapez, regardez sur internet et si ça vous dégoûte. C'est pas vraiment peur, mais ça dégoûte. Dites-le moi dans les commentaires, je me sentirais moins seule. Petite anecdote. Oui. Fleur fait monter ses vidéos YouTube par son chéri. Oui. Mais je pense qu'elles savent ça. Ah ouais, vous savez? Je pense qu'elles savent.
Mais ça, ça fait partie des trucs qui m'angoissent en fait. Je suis bizarre là aussi. J'aime beaucoup tourner, j'aime beaucoup parler, mais en fait quand j'ai un montage à faire, je vais me dire que j'ai un montage à faire, mais je vais pas le faire. Donc du coup, la veille de où je dois sortir la vidéo, il faut que je fasse le montage, ça me stresse, j'ai pas le temps. Enfin, c'est typiquement la stratégie du repousser à plus tard. Ouais. Tu n'aimes pas les choses frites à part les frites. C'est vrai. Tu les genre les nems, les trucs comme ça, ça va. Ah oui, j'avais pas pensé. Mais en sucré, ouais, sucré pour sûr, non. Pour sûr. Pour sûr. Ouais, c'est vrai, je suis pas très friture. Friture. Ce que tu avais dit quand tu es partie vivre au Canada. Ouais. Qui friait beaucoup de choses. Il friait. Il faisait beaucoup de friture. Ouais. Il fritait. Chez nous, on frite. Et que du coup t'aimais pas, voilà. Tu parles, alors là je sais plus exactement, mandarin ou japonais? Mandarin. Mandarin, alors parler est un bien grand mot hein. Mais j'ai appris, oui, j'ai fait 3 ans au lycée de mandarin. Dis-nous quelque chose. C'est trop bien. Ni hao, jia ou fleur. Bon, et petit fait que peut-être vous ne savez pas, Fleur est taureau, c'est son signe astrologique. Oui. Et moi je suis cancer et on est copains de signes, ils s'entendent bien aussi. C'est vrai, taureau caractère de cochon. Oui, mais gentil aussi. Oui. Et le dernier fait, le 25e, qui est assez étonnant quand on s'appelle Fleur, c'est que tu ne connais pas le nom des fleurs. Si. En dehors de pâquerette. Attends. Rose, pâquerette, œillet, tournesol, tulipe, pensée. Oh. Lys. Il y a du mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qui connaît le nom de ces fleurs? Mais personne ne sait ça. Mais si. Tu vois. Bah dites-nous en commentaire si vous savez. Non. Mais moi je sais. Mais tout ce qui est non classique, ouais, je sais pas c'est quoi. Lys des Incas ou Astromère. Non mais qui sait ça? Mais tout le monde sait ça. Personne ne sait ça. Non, qu'est-ce que je connais d'autre en fleurs? Souvent quand même, quand il y a des fleurs et tout, t'es là. Bah disons que je connais les fleurs classiques. Les plus classiques. Alors tu vas chez un fleuriste, tu veux des roses ou des tulipes, jusque là ça va. Oui. Mais même les variétés de roses, je ne serais pas capable. Mais j'aimerais bien trouver, trouve-moi un petit livre avec les trucs pour les nuls. Les fleurs pour les nuls. Comme ça je saurais dire que c'est des fleurs des lys des Incas. C'est ça? Oui. Ou Astromère. Astromère, très bien. Sur cette anecdote fleurie se terminent mes 25 faits sur toi. Oui. Qu'en as-tu pensé? Tout était juste, ouais. Sauf le truc des mots. Mais il y avait une période... Ouais. Ça va, je vais pas être trop méchante. Non, ça va. Puis, puis je suis bizarre, quoi. Donc c'est pas grave. Ouais. Mais non, c'est chaque fois qu'on rigole. Ouais. Tout le temps, comme ça. Bref, je sais plus si on l'a dit, mais on espère que la vidéo vous a plu. Ouais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à nos deux chaînes si ça n'est pas déjà fait. On vous mettra la seconde vidéo en barre d'infos. Et puis jusqu'à la prochaine, on vous fait plein de bisous. Oui, gros bisous. Ciao.